aussi convaincu aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, par rapport à vos convictions communistes? Bon, non, il faut dire que le monde a changé. Même notre parti a changé en 1990, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, quand le bloc social s'est effondré. Nous avons dit qu'il faut s'adapter au changement, à la réalité. Parce qu'on ne fait pas la politique pour la politique, l'idéologie n'est pas pour elle-même. N'est pas figée. N'est pas figée, voilà. L'idéologie évolue et quand le monde évolue, il faut s'adapter à cette évolution, c'est très important. Sinon, si vous continuez à vous réclamer, peut-être des choses qui n'ont plus cours, qui n'ont aucune réalité. Est-ce que l'acte 3 va induire obligatoirement un report des élections locales? Dans moi, très sincèrement, comme je vois les choses venir, je crois que la réflexion n'est pas encore arrivée à un terme tel que d'ici les prochaines élections, qu'on puisse intégrer tout cela. Parce que les conséquences qui vont découler de l'acte 3, c'est quoi? C'est une modification totale de la carte électorale. Parce que si vous prenez votre carte d'électeur, on a mis région, département, commune, communauté rurale, commune d'arrondissement. Mais moi, je ne vois pas, avec toutes les mesures préconisées au niveau de l'acte 3, avant qu'on en arrive même à une validation par l'ensemble donc, des segments de la société, que ça soit voté par l'Assemblée nationale, d'ici ce délai-là, qu'on puisse quand même tenir les élections et en tout cas mettre en œuvre les réflexions chez nous. Selon vous, il y aura forcément un report. Bon, en tout cas, moi, je crois que il faudrait qu'on en discute sincèrement. Le problème en démocratie, c'est que le plus important, c'est que les acteurs discutent. Merci, Monsieur Badiane. Je pense que nous allons terminer la journée avec vous en rendant visite au secrétaire général de la Ligue démocratique, Monsieur Mamadou Ndoye. Avec plaisir. C'est normal quand même qu'on participe, qu'on relève, c'est ça, le montant des inscriptions, puisque c'est dans l'intérêt même des étudiants. Il faut créer des conditions pédagogiques, il faut créer des conditions au niveau du campus qui permettent quand même un mieux-être, c'est ça, un mieux vivre pour les populations. Mais dans la mesure où les moyens de l'État étant très limités, moi je crois quand même que ce qui est proposé, c'est vraiment raisonnable. Il suffit maintenant de le comprendre, de l'accepter. Monsieur Ndoye, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, je pense que cette question vous interpelle aussi directement. Aujourd'hui, pensez-vous que c'est juste une question de manque de moyens de la part de l'État pour qu'on puisse augmenter les frais d'inscription? Il faudrait savoir, et je partage ce que Ousmane disait tout à l'heure, je veux ajouter tout simplement deux dimensions. Le financement de l'éducation en général, il y a trois sources principales. La première source, c'est l'État. La deuxième source, c'est le secteur privé, laïque ou confessionnel. Et la troisième source, c'est les ménages. C'est les trois sources qui financent l'éducation. Eh bien, je crois que l'État, il est clair, a des limites, notamment au regard aujourd'hui des nouvelles priorités et des nouvelles obligations. Donc, il y a une question même de justice qui est posée actuellement dans ce domaine, à part la question de la durabilité du financement. Il faut que ceux qui ont les moyens de payer, payent. Les familles qui n'ont pas les moyens de payer, il faut que l'État leur accorde une bourse. Ça, c'est le caractère social de la bourse pour que ces étudiants puissent continuer à étudier. Mais les étudiants qui sont issus de ménages comme nous, pourquoi ils ne doivent pas payer? Ils doivent payer. De la LCS. Nous sommes ici dans la banlieue de Dakar, notamment à Djidde Tiaroy Kaw, la plus grande commune d'arrondissement de la ville de Pikine.
Ici, comme partout dans les localités de la banlieue, nous sommes confrontés à un problème des inondations ayant provoqué le déplacement de plusieurs habitants. Certains résistent encore dans la difficulté, les pieds dans l'eau, dans l'insalubrité. Les autorités locales ont déployé d'énormes moyens, l'État aussi. Mais le problème reste en l'état. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Amadou, comment tu vas? Oui, ça va très bien, je suis en train de vous affairer autour des eaux. Oui, absolument, parce que nous avons tous les pieds dans les eaux. C'est pas évident. Chers téléspectateurs de la LCS, nous sommes avec notre invité, Monsieur Alune Badara Diouk, qui est le maire de la commune d'arrondissement de Djidé Tiaroïkou. D'une manière spontanée, les populations sont venues occuper la zone. Ah, c'était avec la chasseresse parce qu'il y avait une migration intérieure, donc des régions vers Dakar où les ressources existaient. L'exode rural. L'exode rural. Parce que 120 000 personnes quittaient les régions du Sénégal pour venir à Dakar. Et comme Dakar, la capitale, ne prêtait pas les conditions parce que pour avoir un logement ou avoir un lieu d'habitation, les populations ont préféré venir habiter à la périphérie de Dakar, qui offrait des conditions beaucoup plus souples. Mais après installation, chaque maison avait des fosses septiques. Les fosses septiques, par manque d'étanchéité, donc, ont infecté la nappe phréatique. Plus aussi la décharge de Mbeubes des années 70, où presque toutes les ordures de la région Dakar sont parquées à Mbeubes. Mbeubes qui était un lac. Et Mbeubes aussi a participé à la détérioration de la nappe phréatique de Tiaroï. Donc l'État du Sénégal était obligé, après des prélèvements d'eau et des tests, on a pu découvrir que le taux de nitrate qui avoisinait environ plus de 50 mg par litre était presque la norme de l'Organisation mondiale pour la santé. Donc, l'eau n'était plus propre à la consommation. L'eau n'était plus propre à la consommation. Donc il fallait fermer les forages. On en a un derrière nous d'ailleurs. Derrière nous. Donc on a le forage F22. Après fermeture donc, de ces forages-là, il y avait un arbitrage. Parce que dans le projet sectoriel eau, où l'État du Sénégal avait pris les dispositions de prendre l'eau depuis le lac des Guerres pour alimenter Dakar en eau, on savait que tôt ou tard, cette zone allait être inondée si on ferme les forages. Parce que la nappe va remonter. Va remonter, effectivement. Mais comme tout État, il faut quand même que l'État fasse des arbitrages. Parce qu'on ne pouvait pas laisser la région de Dakar donc, en manque d'eau. Donc l'arbitrage, l'État avait décidé donc, de prendre l'eau depuis le lac des Guerres pour ravitailler la région de Dakar. Mais depuis les années 85 aux années 89, on avait déjà les premiers signes d'inondation dans le quartier Mousse d'Alifa et aussi dans le quartier de Medouno Gounas. Donc c'était l'alerte. Mais il n'y avait pas de mesure idoine après cette alerte-là de trouver des voies et moyens pour régler le problème du pompage des forages. Monsieur le maire, nous venons de visiter le site qui est prévu pour abriter l'arène nationale. Une question qui soulève beaucoup de polémiques. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'ériger une arène nationale dans cette zone appelée Technopole? Vous savez, je ne vais pas en rajouter dans cette polémique parce que l'érection de l'arène a suscité beaucoup de commentaires.
et je donne une position tout à fait personnelle en tant que citoyen de Bikini. À l'heure où on parle de l'économie verte et on parle du développement durable, parce qu'il y a les questions du système d'écologie, cette question n'a jamais été intégrée dans les développements, dans les notions de développement et dans l'économie. Moi, ma position, elle est très simple. Parce que je veux le respect de cette nature, le respect de l'écosystème, le respect aussi dans le cadre du développement de la biodiversité. C'est ma propre position. Nous avons longtemps agressé la nature. Et avec les inondations, on vient de le constater, la nature a pris sa revanche sur ceux qui ont complètement bouleversé le système écologique. À l'heure où nous sommes, je l'ai toujours dit, et c'est de notre devoir de laisser à la génération future un patrimoine. Partout dans le monde, les parcs, les forêts et autres sont tout à fait protégés. Moi, je sais que le Sénégal a besoin d'infrastructures sportives, comme toute autre infrastructure. Mais il est incommode, dans le cadre aujourd'hui d'une bonne gouvernance, d'une stratégie de la gouvernance, d'ériger l'arène nationale sur le site du Technopôle. Et pourquoi? C'est très simple. Vous voyez la zone, elle est la zone la plus belle de la région Dakar. Et si vous êtes observateur, vous constatez vous-même, avec le système de la biodiversité, de nouveaux oiseaux qui y arrivent. Et ces oiseaux migrent du parc de Djoud, depuis Saint-Louis, donc vers la zone du Technopôle. Deuxièmement, cette bande constitue aussi ce qu'on appelle un poumon vert de la région de Dakar, parce que la région de Dakar étouffe avec la concentration des usines, avec la concentration des véhicules, de la pollution, parce qu'au Sénégal, jamais de mémoire on a mesuré le taux de pollution à Dakar. Donc si nous avons ces espaces qui peuvent reconstituer, régénérer de l'oxygène, donc nous devons défendre cette zone. Aujourd'hui, vous passez partout, les populations souffrent de maladies. Et ces maladies sont dues à quoi? Parce que nous avons un problème tout simplement de cadre de vie. Il y a de nouvelles maladies aujourd'hui qui prolifèrent un peu partout au Sénégal et particulièrement au niveau de la région de Dakar, parce que les populations n'ont pas un cadre de vie adéquat. Maintenant, derrière le miroir, nous sommes ici à Mermoz. Quand nous sommes venus, nous devons faire un grand 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 ay ndariñ dong lay andal gan go xamne ñepp ang koy wër télévision yi radio yi ñepp diko wër mu né la chaîne sénégalaise la tamu di LCS rawati na seen émission bi di derrière le miroir gan gu bag gogut seen téléspectateur dañ ko découvrir légui buma duggé ci buntu bi top len ma Bamba Fepp, Bamba partout, di Bamba Merci. Nous sommes Bamba Fepp, c'est une réalité. Bamba Fepp, à travers le monde, 5 continents, il faut aller. Nous sommes la maison de Serigne Touba Barap Sangam. C'est ce qu'il y a. Nous avons un concept que nous avons pris, nous avons pris le côté à travers Touba, à travers les Sénégalais, Africains, ak monde entier parce que Serigne Touba pour ñepp le il est le sauveur de l'humanité mo wax ni amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzahun
waaw yalla moma digal ma wax ni ma publier ma annoncer wu wané ni képp ku jaxlé tit xamato fo jëm ñëwël ci man waaw képp ko xamanteni bi da nga bëgg dara ba mu jaxal la waaw té mëno ko am ci yalla jottu wo ci yalla ñëwël ci man waaw ku tit ñëwël laq ci man kuy wut ñëwël ghazaa'in rabbi futihat li wa zazahat li khairil azad dunya wa akhirah limu yor du jeex waaw waaw nena yalla magasin yi mu def yépam daf ko ubil yépp yalla daf ko bolé ci gouvernement waaw demal na ba egg ci étape par étape étape yi mu nek fi yépp yi mu dund fi yépp étape bu nek ak daraaje yamu ci am dem na ba nga xamné lum bëgg moy am dem na ba jot ci kun fa yekunu motax mu nek sauveur de l'humanité Serigne Touba nekul pour sénégalais rek nekul pour africain rek ndax neena irham jami'al wara ya hadiyan rada wax nako yalla waaw c'est pas parce que du idéologie bo xamné dina fi meuna manam remplacer lu melni libéralisme communisme nga xamné légui gis nañ né wona nañ sen limite amul remplacement du ci agena ay remplacement wala yoyu mom day mbir mo xamné du fay jog ni leng ni fax waaw jogul pour di remplacer wala yoyu dedet da fa jog di manifester wu wara nek référence waaw yor ay njariñam ay manafiham ay njariñam ay utilitém yo xamanteni bi nit ku nek man nga ci retrouver wu man nga ci gis sa bop ak la nga bëgg lolo ko taxajuk mais du remplacer li mbala wa bamba fepp ci walu philosophie la ci walu développement la ci walu lan lay wundu dal manam concept la bo xamni bu ñu ko jëlé dans les premiers temps di ñi wut 313 cadres yo xamanteni bokku ñu ay domaine de compétence ba ñi koy bokalé ñuy bokalé lay ñuy bokalé ñuy bokalé parce que 313 da fay nombre bu kawé 313 yu kenn ku nekk ci say compétence ak sa domaine da nga ñuy défal ben papier joxnuko li nga xalat ci domaine ba nga maîtriser mo xam économie le mo xam social la mo xam culture le mo xam lu mëna doon waaw bu ko defé ñu 313 papier yoyu bu ñu ko bolé jox ko ay expert ñu analyser ko xol ko bu ñu ko dajalé def ko ab téré dé doon dara ñu doon dara bu ko defé nak bu lolu paré ba nopi nak ñu jël nak projet de société Serigne Touba waaw xama lolu batine la ci batine la koy waxé waye bu ko defé dañu koy wëlbeuti solol ko mbub parce que ci monde moderne lañ nek ci koori waaw ndox mu am kéman mo fa feñ ndox mom lumu waaw lol de mom ndox ma xam nga fofa bala may ñew ci ndox mi barab ba la lay wax barab ci koori ciunkoli le tudon pliafa dekkon len fa ba fa sama mam dekk sen nak ñu bayiko dekk ba amna ci sax ben yu dekkon ak mom jeblu ak yeb mais ñoko dañ way ciunkoli ciunkoli ben garab la tour bi lay faté Mamadou Abbas ba waxon na ma ciunkoli lan lay firi ci pular man mako faté ciunkoli la tudon chukori gi mi ngi joggé ci ku tedd ci ndax fofu la borom daru dan jëlé borom daru mo anti sama mam fa la dan jëlé dundu ba diko yone Serigne Touba Ndiarém ya ben bis nak Serigne Matar Samba mi nga xamni moy loxo ndey jorom nga xamni mo jité won délégation bi ku tedd ki laaj ko barab ban lay joggé dund bi mu ne ko ciunkoli mu ne ko dedet chikori dal di koy bind chikori en pluriel moy fu ay cyantam dajé yag dem ndax dafa yag joggé dund bi chaque année dund bi du manké légui nak sama mam dëkk fa 16 ans fukki at juroom ben musu ko dëkk fenn ci dundam dundu bañ fa daan jëlé daan yobul ko tedd ki ak alquran jëñ fa daan jang quotidiennement ak khasaayit warna mëna tax ba Serigne Touba sante suuf sa gërem ko warna mëna tax lu né warna fa mëna feñ ba ren nak ci 2013 bi légui la fa ndox momu feñ nak nga xamni day fajj ay tawat day fajj ay febar ñaar ñu ci ñëk faju dal kenn ki mom ñetti fan la ci faju ku mujj gi day febar bi gëna garaw bi nga xamni jërul tuddu kenn mënul fajj ah man nañ ko faccé ndé ndox mi fagn nako ah bu nasarani la bu ah ah wa nasarani est ce que du xamna ni dal ñaan yi jotta fajj ku ñëk ki mom febar bi biko dalon juroom ñett wër la am ak mom
day bañ mo tuddu turam sax waye bu muytul benen na tuddu turam ndax nit ñi xamné amna firme da bok ci sama njabot waaw da doon wax ni na ko sutural bu ma ko tudd ak yoy ap le photo la nak newon na ma nak bané pour le photo dañuy xamné man la waye duté mako ko yow bo goré won da nga amel nga promotion sama kal la nak dama koy ki waye mom juroom ñett wër le ki yoon juroom ñett wër dal le ay siditam bañoon manulul soxnam dara fune mo fadju fa wëru ngay nak biñu ma ko joxe ndox mi ñett fan la am ak mom wër ku mujjiki nak demb la ko médecin yi wax ni gisatuñ fièvre bu graw bi ko dalon une semaine la ci fadju mom waye señ bi dañuy ñew rek doxantu ba benen diwan bi waaw fele ci inshallah ba yegg tam di agal waxtan bi waaw bismillah toujours mbok téléspectateur LCS tabarakallah gis nañ na diwan amna ay action yu bari ñuy def notamment ay action sociale manam ci walu nettoyer cimetière ci walu inondation est ce que mën nañ ci delu ci tout ci wa lool xam nga ci enseignement moko jitu wa manam diwan dañu jël titre bi téré bi Serigne Sallo mako joxone recueil bi ni ma mbolo mi nako tuddé nono ndax man ma demone ci Serigne Sallo en 95 ne ko dama bëggoon jey sun 313 yo xamni 313 jeunes yo xamni dañuy symboliser manam ñe demone battre waaw bam toggé quelque temps nak mu yonne ma recueil bi ni ma na tuddé mbolo mi nonu lool moko waral a cheikh salih radhiyallahu anhu légui motax ñu jël tour wi mbolo mi waye nak ñi ñëk def moy di jàngalé waaw di jàngalé manam enseignement wu serigne touba waaw mom la ñi ñëk def waaw ñu jàngalé enseignement wu serigne touba ak éducation niko serigne touba jàngalé fofu lay tambalé ñu xamni itam ndem yonentiba alayhi salatu wassalam moni ki gën ci yeen moy ki servir le son proche son prochain ki koy ki khairul qawmu qadimuhum ki len di liguel moy meilleur waaw ci yeen liguel morom nitam morom nitam waaw lolu motax ci cadre bobu nak lañuy xamé ni comme am nañ courage bi am yene ji motax xali di def non di may don de sang di def ay gis nañ liguey mo am solo bu ngeen defal ci inondation yi daaw lolou itam diwan lolou itam diwan normal yag nañ ko def ñom dañuy def fukki am rek fi yoy am rek ñu feñal ci seen yene dal gis nañ nga daal di jël ay xassaay def ko ci sa biir limousine daal di ne fasiyena to doomu adama dugg ci biir limousine bi waye xassaay di ñoo ci nekk waaw a part ki koy dawal ak ki nekk ci kanam waaye ma bëgg ci ginnaaw lolou dañuy symboliser rek da dañu gis ni lal bu musan rafet ku tedd ki bu ko wudlo du ca tok du ca tedd alquran la ci def diko tag nan ko yow téré bi yalla bi waaw yow téré bu tedd bi waaw yaay sama soppé waaw di sama xarit te lu jitu may ñew ci planète bi baba nga nekkon sama médecin ya kitabal karimi anta habibi wa khalili wa khablu kunta tabibi serigne bi defena yexsi nañ ci benn bismillah waaw mamel diwan bi numu tuddu bi waaw diwan bi di mom defena ni misbah villa misbah de la ko son gisoo misbah ba nele gisnaa amu bismillah
piano bi itam touche nga xamni dañu ignorer mu nek pour mu nek touche noire def ko touche blanche lolu ki la lolu manam révolution la waaw parce que piano d'habitude am touche noire am touche waaw touche noire yi mom la def lu yu wex c'est parce que manam couleur ñaar couleur ñaar la rek bi ma sol ak bi nga sol ñaar couleur rek am té tay sax dañu and mak yow noir et blanc ñaar couleur rek am donc bu ko défé té bu wex bi nak moy lumière deug na waaw aljana lu wex rek lañ fay sol kenn du fa sol couleur yi aljana lu wex rek fa am lolu motax nak li révolution la motax mané touche bu ma am touche noir waaw té normalement liñu wax doré mi fa sol la si do ci solfège jogé ci amoñ jëm nday jor fi da ngay jogé nday jor jëm ci amoñ abadjada ha ko changé mu ngok def ko abadjada hawaza hataya kalamana sahafa da kharasata da khasa da khasha té musique bang ci genn wa no ci genn kay bokk yu dedet señ bi mom xarala na bi ay jabo di lol nga ci beggone lu makki dama gissone mu taxaw ci mbacke bawal fa serigne touba feñe dal ni jere jeffe serigne bamba mom makki salame waaw ma tek sama beut mako deggi sama nopi itam waaw ta bam koy wax it leer na ma ni ci xol ba la joge legui nak munuma la wax emotion boba ful ba mako yobbe emotion bi wala fois que spirituel mon xam lolu yalla koy xam ndax dafa neub waye li dal ma ci tek sama beut ma jappé da xagn ku ko jappali ci domaine bobu xagn mo meuna sukkandi dina ko dina ci meuna sukkandi ko nañ bayyi lu xew rek ñuy juñ ko setané dedet lolu yit ñu koy fatalenté ñu sopanté rek sapanté wolonté di dimbalenté waaw solidarité etc lolu dal buñ ko défé jamono ñoy buñ ko déful dañé am problème Non. 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 Karim Wade. Aujourd'hui, Karim Wade a écopé d'un second mandat de dépôt de 6 mois. Le PDS l'a dénoncé, hein? Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Karim Wade est victime d'une cabale politique? Ce n'est pas le PDS qui a dénoncé cette hérésie juridique. Ce sont les épis de paix, de justice et les défenseurs des droits de l'homme qui pensent que l'État du Sénégal est en train de déraper. L'État du Sénégal, le gouvernement de Macky Sall, est en train de déliter l'état de droit que nous avons connu. Karim Wade a reçu un deuxième mandat de dépôt sur une affaire unique dans un même dossier concernant justement son patrimoine qui avait été évalué apparemment à 700 milliards, à 694 milliards. J'en riais à l'époque. Aujourd'hui, ce château de cartes est tombé. Le gouvernement du Sénégal, je veux dire la justice instrumentalisée dans le cadre d'une crise illégale et anticonstitutionnelle, comme le pensent tous les grands juristes, est en train de vouloir se donner encore une autre chance d'inculper Karim Wade et de l'amener en prison ou de le garder définitivement en prison pour lui empêcher, évidemment, d'avoir une vie politique post-Abdoulaye Wade. Je pense que c'est la lecture qu'il faut en faire. C'est un otage politique, nous le considérons comme tel. La question ne concerne pas seulement Karim Wade, ça concerne tous les dignitaires de l'ancien régime, entre guillemets, les responsables du Parti démocratique sénégalais, qui sont traqués dans le cadre de ces biens mal acquis.
à qui on a empêché de franchir les frontières malgré la décision de la CEDEAO, qui sont jugés dans le cadre de la CRI malgré leur statut d'ancien ministre, je pense que nous sommes en train de toucher le fond du puits. Le Sénégal n'a pas besoin de cette situation. Et je viens de vous le dire encore une fois, la traque des biens supposés mal acquis a constitué pour l'essentiel le terreau à cette situation morose de l'économie sénégalaise. Karim Wade est-il traqué politiquement? Oui. Karim Wade, aujourd'hui, fait l'objet d'une agression de ses droits. Karim Wade fait aujourd'hui l'objet d'une traque qui ne se justifie pas, de mon point de vue, parce que pendant 6 mois, ils ont cherché à trouver dans un patrimoine qu'ils ont construit pendant 7 mois, en quoi Karim était-il coupable d'avoir détourné des deniers publics, ou en quoi Karim était-il illicitement enrichi? Ils n'ont pas pu avoir de réponse. La veille de la Tabaski, nuitamment, ils lui ont encore donné un autre mandat de dépôt parce qu'ils voulaient simplement le garder en prison. C'est ridicule. Est-ce que vous pensez qu'il est réellement possible de regrouper cette famille libérale? En politique, tout est possible. Tout. On dit jamais, jamais. Avec un grand T, je dis tout est possible. Il appartient aux acteurs, aux différents acteurs que vous venez de nommer, de voir en quoi il est pertinent de faire vivre ce libéralisme social qui a été peut-être inventé depuis très longtemps, mais dont la mise en œuvre a été vécue pour la première fois ici en Afrique avec Maître Ablaye Wade. Nous sommes dignes héritiers d'un homme qui a su adapter le libéralisme social. Et je pense que ceux qui sont au PDS, ceux qui sont au Réumi, à Boko Gis Gis, à l'APR, nous sommes tous issus d'une même famille politique. Je ne dis pas qu'il faut que forcément nous soyons tous ensemble, mais je pense que nous avons l'obligation morale de défendre ces mêmes valeurs et de voir en quoi nous pouvons partager certaines préoccupations, et chacun dans son camp certainement continuera à se battre pour avoir un leadership fort afin de faire bouger ce pays. Macky Sall, forcément, est de notre famille libérale. Il ne l'a pas encore nié. D'abord, il est sorti de nos flancs. Deuxièmement, il a pris part à l'international libéral organisé en Côte d'Ivoire sur invitation de Alassane Ouattara. Si M. Ouattara estimait que Macky Sall était un communiste ou était un trotskiste, certainement il ne l'aurait pas invité. Macky Sall, s'il estimait que les libéraux de l'Afrique, l'international africaine, l'interlibérale africaine, n'étaient pas un endroit à fréquenter, certainement il n'aurait pas fait le déplacement d'Abidjan. Et à Abidjan, il a rencontré des frères libéraux pour parler autour de ces questions du libéralisme africain. Président Babacar Gaye, j'ai dit en termes de mon propos que vous êtes président du conseil régional de Kaffrine, et nous allons bientôt aborder la question essentielle de l'acte 3. De la décentralisation, mais à cette heure-ci, d'habitude, vous promenez vers un hôtel de la place, notamment le théorie, pour faire votre lecture. Je me suis renseigné, pour faire un peu de lecture, écrire un peu, et je pense qu'on va faire la même chose, comme d'habitude, à cette heure-ci, et on vous accompagne, et nous aborderons sur place cette question d'acte 3 de la décentralisation et d'autres questions d'actualité. Justement. Cela vous inspire cet acte 3 de la décentralisation, parce que vous êtes président de conseil régional et aujourd'hui, avec ce nouveau découpage, les conseils régionaux, beaucoup d'entre eux, vont peut-être disparaître. Au résultat, le président Macky Sall et son gouvernement ne pourront que nous proposer la départementalisation, c'est-à-dire la création d'une collectivité locale à l'échelle du département, et la transformation des communautés rurales en communes, ce qu'il appelle la communalisation universelle, les autres ordres collectifs locaux restant tels qu'ils étaient dans leurs frontières. La première phase. Oui, évidemment, si je dis qu'il ne sera pas possible de redécouper le pays en territoires, comme il l'appelle, des pôles économiques. Aujourd'hui, l'option étant
de s'arrêter aux limites actuelles des collectivités locales existantes et des circonscriptions administratives comme les départements pour essayer de relancer la décentralisation, ce qui me semble être une sous-réforme. Ma préférence aurait été de poursuivre la réflexion sans tenir compte de l'organisation d'élections à date échue comme c'est prévu par les lois et règlements du pays, engager une profonde concertation entre les acteurs de la décentralisation que sont d'une part les partis politiques mais d'autre part les élus locaux, la société civile, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement. Je pense qu'on aurait pu, comme on l'a toujours fait au Sénégal, utiliser suffisamment de temps, suffisamment de sérénité entre les acteurs pour enfanter d'une réforme qui puisse modifier un tant soit peu ce qu'on a connu comme politique de décentralisation au Sénégal. Mais tel que c'est engagé, je n'ai pas un espoir que nous puissions avoir une réforme à la dimension de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, évidemment, vous l'avez dit et tout le monde le reconnaît, le président Macky Sall et son gouvernement ont le gré en bandoulière. C'est-à-dire qu'ils ne passent même plus des appels d'offres. Ils pensent que tout doit se faire maintenant par gré à gré. Ce qui me semble... Est-ce que ce n'est pas l'urgence qui explique un peu cette... Rien ne peut être urgent pour ceux qui avaient en bandoulière la gestion vertueuse des deniers publics. Parce que le gré à gré n'est pas illégal, hein? C'est juste une parenthèse. Ah si, il peut être illégal. Il peut être illégal. Le gré à gré peut être illégal s'il n'est pas dans les matières concernées et dans les conditions pour lesquelles on peut faire un gré à gré. Je pense que le président Macky Sall l'a dit lui-même, il a senti par moments que pour mettre en œuvre certaines politiques, on a besoin de plus de temps, on n'a pas besoin de perdre du temps. Il faut aller très vite parce que le temps presse, les populations attendent des résultats et il a estimé que le même décret qui faisait qu'on nous reprochait de faire des gré à gré, le même décret contraignant qui avait peut-être un peu bloqué certaines activités, en tout cas voulues par le gouvernement du président Ablaye Wade, c'est ce même décret qui est décrié par le président de la République Macky Sall lui-même et qui est en train aujourd'hui de s'organiser pour modifier les dispositions y contenues. Que pensez-vous de ce projet d'autoroute? Écoutez, c'est un projet d'Ablaye Wade, ce n'est pas de Macky Sall. Vous savez très bien que c'est Ablaye Wade qui a pensé en premier faire l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, ensuite son prolongement sur Touba. Il a même pensé en certain moment que le pèlerinage organisé à l'occasion du retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba valait la peine de même de construire un aérodrome à Touba pour pouvoir recevoir les avions depuis l'Italie, depuis l'Allemagne, pour que les émigrés puissent, venant de l'extérieur, atterrir directement à Touba. Je pense que Touba mérite, quoi qu'on dise aujourd'hui, que des infrastructures de cet ordre-là soient aménagées. C'est ça ce qui va, de mon point de vue, développer ce pays. Et c'est ce qui va désengorger Dakar au fur et à mesure qu'on aura des pôles secondaires comme Touba, comme Thiès, certainement comme Kaffrine, je le souhaite fondamentalement, comme Ziguinchor. Et c'est de ce point de vue, en réaménageant notre territoire, en mettant en la promotion donc, des investissements dans ces localités et dans ces régions, que nous pourrons désengorger Dakar et booster l'économie, freiner l'exode rural et créer des emplois pour les jeunes. C'est ça la pertinence des pôles territoires. Et je signe, d'autant que même si je suis d'une région qui pourrait demain disparaître dans le cadre d'une réforme globale où on redessinerait la carte du Sénégal, je suis pour la mise en place de pôles pertinents dans le cadre de territoires cohérents où les populations seront responsabilisées et les moyens de ces politiques mises entre leurs mains. C'est ça mon rêve. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Amadou. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va bien? Alhamdoulilah. Matinal, hein? On essaye. Oui, et sportif. On essaye aussi. Ça va? Voilà, monsieur le ministre. Donc, la SCS est venue vous retrouver en pleine séance physique, d'entretien, de maintien. Il faut. Ah oui? Quand on a viré la cinquantaine, oui, il vaut mieux investir dans la maintenance. Bien sûr. Mais là, on vous a trouvé ici au parc de Anne. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui vous lie à ce parc? Ce parc est depuis plus de 25 ans que j'habite à côté. J'y viens faire mon sport. Je viens m'y ressourcer, humer l'air pur. Parce qu'en principe, ce parc, c'est le poumon de Dakar. Mmh. Mais je suis heureux que vous me trouviez ici parce que depuis 10 ans, j'observe une dégradation quasi inexorable de ce parc à cause de l'inondation en eau, mais aussi à cause de la prolifération d'une certaine algue dont les scientifiques pourront vous donner
le véritable nom, mais je pense que ça commence par Salmonia. Mm-hmm. Cette algue est en train de dévorer systématiquement ce qui constitue le pôle de recyclage du gaz carbonique que nous produisons à grande échelle et le pôle émetteur de l'oxygène nécessaire aux humains que nous sommes. Je suis heureux que vous me trouviez là parce que ça me permet à la fois de lancer un cri du cœur, un appel à la mobilisation générale pour ce parc, et aussi en même temps de vous dire que finalement ce qui se passe dans ce parc ressemble à ce qui se passe dans la société sénégalaise. Une sorte d'abandon, une sorte de lassitude, une sorte de laisser-faire, laisser-aller général. Lorsqu'on regarde autour de nous, on se dit, mais où va le Sénégal? Vous pensez que le parc n'est pas bien tenu? Écoutez, s'il l'était, je ne veux jeter la pierre à personne, s'il l'était, depuis la première inondation dans les années 2000, on aurait vu un changement. Bien sûr. Mais moi, je puis témoigner et je lance un défi à quiconque de me prouver qu'entre cette inondation de 2000 et aujourd'hui, nous sommes en 2013, il y a eu un mieux. On m'a laissé entendre qu'un chenal aurait été creusé pour dévier l'eau vers la mer, partant du parc. Je dois dire que le chenal s'avère inefficace dans la mesure où l'eau stagne. Et le fait que l'algue y prolifère montre bien que les efforts nécessaires n'ont pas été faits. Je ne dis pas que les pouvoirs publics doivent tout faire, mais les usagers du parc... Oui, il doit y avoir une implication des populations. Je pense qu'il faut impliquer les populations. Il faut, dans ce pays, redonner au volontariat des lettres de noblesse. Je disais hier à des amis qu'en Amérique du Nord, le volontariat compte sur un CV. Or, dans nos pays, un CV de 10 pages d'un négocentrique pèse plus lourd que 2 lignes de CV d'un homme qui est engagé au sein de sa communauté, qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui donne de ses idées. Si on veut reconfigurer un homo sénégalensis ambitieux et volontaire, il nous faut redéfinir les paradigmes de notre vie en société. Merci. Monsieur le ministre, vous proposez un retour à l'intérieur du pays pour déplacer ces populations qui sont installées dans ces zones non édificandies, mais cela nécessite une réelle volonté politique. Que pensez-vous par exemple du plan décennal contre les inondations? Écoutez, je n'ai pas encore connaissance du plan, donc je ne pourrais pas me prononcer. Sur le principe, si c'est un plan qui veut régler les problèmes de manière structurelle, mais pas de manière conjoncturelle. C'est-à-dire pomper de l'eau, créer quelques maisons à côté, demander à certains d'y aller. Il y a le plan Fendi. Avec... Je vous avoue. À la limite, je pense que ça, c'est conjoncturel. Hein, je ne prononce Fendi. Jamais sur des choses que je ne maîtrise pas. J'ai entendu l'effet d'annonce. Il reste à ce que nous tous nous soyons informés et qu'on voit dans la pratique ce que ça va donner. Je pense tout simplement qu'il y a des milliards qui gagneraient à valoriser des terres agricoles à l'intérieur du pays, tant au nord dans la vallée du fleuve, que dans le sud en Casamance, que dans le bassin arachidé. Il y a fort à faire afin que nous produisions ce que nous mangeons et que nous puissions en exporter dans la sous-région et même au-delà. Le Sénégal a un potentiel agricole incroyable. Il nous faut le mettre en valeur, mais encore faut-il
nous doter des structures de formation et susciter des vocations de jeunes entrepreneurs agricoles. Mmh. Il y a aujourd'hui la possibilité, en 2 années de formation, de doter des jeunes Sénégalais des outils et des compétences nécessaires pour gérer des fermes agricoles de 2 à 3 hectares et produire. Il suffira après de mettre en place des unités de transformation, des circuits de distribution et redonner aux gens le sens du travail. On ne peut pas bâtir un grand pays si tout le monde pense qu'il n'y a que le commerce. Ou la bureaucratie. Ou la bureaucratie. Mm-hmm. Que le commerce ou la bureaucratie. Il y a l'agriculture qui doit occuper la majorité d'entre nous. Et d'ailleurs, la majorité de la population sénégalaise est paysanne. C'est vrai. Maintenant, les paysans n'ont pas les moyens techniques et n'ont pas maintenant l'expertise scientifique, car nous sommes à une époque où il faut un minimum de formation et de connaissances scientifiques pour avoir une exploitation agricole qui tient la route. Il faut nous doter de tout ça. Et ça, c'est, ça, à mon avis, c'est ça le travail du développement. C'est ça le travail du fonds de développement, au lieu que nous soyons, nos meilleurs esprits soient occupés par la politique. Mais justement, parlant de politique, monsieur le ministre, vous avez côtoyé les hommes politiques pendant très longtemps. Vous avez été ministre dans un gouvernement, dans le régime de Wade précisément. Mais aujourd'hui, vous avez créé un mouvement et non un parti politique. Pourquoi ? Écoutez, à l'observation, dans notre pays, il y a plus de 200 partis politiques. Et je ne vois pas ce que ça a amélioré dans le sort du Sénégal. J'ai été le collaborateur du président Abdoulaye Wade sans avoir été membre de son parti, ni avoir été un politicien. Je le remercie pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'apprendre au plus haut niveau ce qu'il faut faire et aussi de prendre conscience de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas de ceux qui comptent enrichir la liste des partis politiques sénégalais juste pour flatter mon ego. Je me lance dans une entreprise de questionnement. Et c'est pour cela que j'ai invité beaucoup de jeunes gens autour d'un mouvement avec le principe simple suivant. Bala nit di defaru, di defar da fay defaru. Avant que l'on ne puisse changer, il faut changer soi-même. Il faut s'interroger avec humilité. Qu'est-ce que je peux apporter de meilleur de moi-même à ma société? Ministre, je ne vous demanderai pas de faire un bilan du régime de Macky Sall, mais si vous aviez à jeter un regard critique pour déjà un an et quelques de gestion. Je dirais tout simplement, je suis de ceux qui souhaitent au président Macky Sall de réussir, tout simplement parce que je le disais à un ami, mais on dirait qu'on n'a pas fait une bonne lecture des résultats électoraux au Sénégal. Alors, au second tour, il y a eu l'effet Nadem. Beaucoup de gens qui avaient voté Abdoulaye Wade se sont déportés sur Macky Sall parce qu'ils ressemblent à ce qu'ils veulent. Moi, j'en tire comme conséquence que les Sénégalais avaient tourné et encore ont tourné définitivement la page du socialisme et ont refusé la plupart des petites alternatives qu'on leur proposait. Je comprends que, tactiquement, le président Macky Sall ait cru devoir avoir des alliances pour le second tour. Je suis de ceux qui pensent que même sans ces alliances, il aurait été élu. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après cette séquence, qu'il n'ait pas cherché à renouer le fil avec sa famille politique historique. Je le disais tout à l'heure, je vois une photo de El Hadj Malik, le vénéré, Mam Abdou. Mm-hmm. Quelles sont vos relations avec ces guides religieux? Alors, Seydi El Hadj Malik, c'est un repère, mais la personne pour qui j'ai non seulement de l'affection, mais que je considère comme mon guide et ma référence, c'est Serigne Abdoul Aziz Dabar. Pour tout ce qu'il a représenté pour notre pays, en termes de rectitude, en termes de servitude, en termes d'inspiration dans les moments difficiles pour notre pays, pour la sincérité avec laquelle il a cheminé avec nous, et qui fait que
dans les moments de peur et d'angoisse, tout le Sénégal aime bien entendre sa voix et les technologies actuelles nous permettent de la sauvegarder et de la diffuser pour le bien du pays. Bonjour Ndella. Ah Amadou. Comment allez-vous? Ça va très très bien. La LCS est venue vous rendre visite. Ah, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Ah, j'étais en train d'animer mon émission Mandela Show. Ah, en direct? En direct, comme j'ai l'habitude de le faire tous les jours à partir de 14h. Mandela Show. Chers téléspectateurs, vous l'avez deviné, notre invitée pour ce numéro de Derrière le miroir, c'est Ndella Major Diouf. Elle est chef de parti du parti Réconciliation Nationale pour l'Unité Africaine, RNUA. Elle est aussi chef d'entreprise. Je vous souhaite la bienvenue, Amadou. Allez, allons-y. Une réflexion doit être menée autour de cette agence que vient de créer le chef de l'État pour régler la demande sociale en matière de création d'emplois. Vous restez toujours avec cette nouvelle agence peut-être qui va être créée pour regrouper toutes ces agences. Mais le problème qu'on a vu et constaté durant tous les régimes qui se sont succédés, c'est qu'il y a une politisation de la création d'emplois. C'est-à-dire que toutes les agences, toutes les structures qui ont été créées, censées donc booster la création d'emplois, souvent c'est tiré vers le bas parce qu'il y a la politisation, il y a le militantisme et il y a le clientélisme politique. C'est dommage, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas prendre une personne, un menuisier, et lui confier la direction d'une agence de création d'emplois alors que cette personne n'est pas qualifiée. Hein, ce n'est pas parce qu'il dirige une base politique à Fatick ou bien à Tambacounda qu'on va lui donner une agence de création d'emplois. Mais ça se mérite. Il faut d'abord avoir une qualification professionnelle. Le président Macky Sall a énormément de chance. Quand je dis qu'il a énormément de chance, il a été élu par les jeunes. Ce n'est pas Beno Bokriakar qui a mis le président Macky Sall au pouvoir. Il le sait et Beno Bokriakar le sait. Donc c'est la jeunesse qui s'est levée pour une rupture. Hein? Donc, quand on a mis au pouvoir le président Macky Sall, c'était pour créer carrément une rupture totale. On voyait carrément des ministres occuper des logements d'une valeur de 5 millions par mois ici aux Almadi, alors qu'ils n'avaient même pas ce salaire mensuel. Hein? On a vu des magistrats, des personnes qui ont occupé des logements d'une valeur de 800 000 à 2 millions, alors qu'ils n'avaient même pas ce salaire. Donc, en prenant la décision d'arrêter carrément de loger les fonctionnaires, non seulement il va leur rendre service, mais ça va créer une économie importante. Et cet argent peut être orienté vers la demande sociale. Il y a tellement de problèmes à régler. Maintenant, il y a la facture téléphonique aussi. Vous venez de parler de la facture téléphonique. Ça, maintenant, c'est le comble. Le président Abdoulaye Wade, avant de partir, nous a laissé un intranet gouvernemental. L'intranet gouvernemental, c'est de communiquer gratuitement en utilisant le réseau des ordinateurs. Donc, une communication gratuite. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une communication gratuite. Ça veut dire tous les fonctionnaires, pour travailler, peuvent communiquer gratuitement entre eux en utilisant l'ordinateur, en utilisant l'intranet gouvernement. Des milliards ont été dépensés. On veut regarder ce cadeau sans l'utiliser. Mais en prenant la décision de réduire les consommations téléphoniques qui ne font qu'enrichir la France Télécom, et c'est les trois opérateurs qui sont connus de tous les Sénégalais qui sont là et qui s'enrichissent pas sur le dos des Sénégalais mais qui envoient des factures extrêmement salées à l'État. Donc s'il prend la décision de réduire, de gesconter les factures téléphoniques des fonctionnaires, c'est une très bonne chose. Merci Ndella, nous n'avons pas encore fini notre visite de vos locaux. On est ici à la radio, mais je pense qu'on peut aller visiter la télé aussi, voilà, le projet de télé. On va aller visiter le projet de télé. Après, une prochaine fois, je vais vous amener à Sali, à Touba, à Kolda, puisqu'on est en train d'élargir le réseau de Saphir et de Santé FM. Merci.
personne ne peut oublier qu'il était une fois, une seule femme tête de liste était parmi les 24 candidats en lice lors des élections législatives de 2012 et on a décidé qu'elle n'ira pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est une décision qui a été prise, puisqu'on regarde le faible taux de participation, très faible, et quand on regarde les recours introduits au Conseil constitutionnel, moi-même j'ai été la première à introduire un recours, Ben Obokoyakar a été le second à introduire un recours en parlant de d'irrégularité, de bourrage d'urne, les rapports sont là, et c'est à cause de ces irrégularités qu'on a assisté à ce quotient électoral de 32 000 voix, ce qui n'a jamais existé durant toute l'histoire politique du Sénégal, 32 000 voix pour avoir un poste de député, donc c'est ce qui s'est passé la dernière fois, tout ça parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer correctement ces élections législatives. On a passé presque 5 jours au ministère de l'Intérieur pour pouvoir déposer nos listes. Même Ben Obokoyakar, le jour même, n'était pas prêt pour déposer toutes les listes, donc pour les listes donc proportionnelles et départementales. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est fixé un objectif de respecter le calendrier républicain, électoral, mais pourquoi? Quand on n'est pas prêt, mais il faut prendre le temps d'organiser. Qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt? Ce n'est pas les Sénégalais qui l'ont dit. Une connexion. Peut-être les partis politiques, les hommes politiques ne sont pas prêts. Les partis politiques n'étaient pas prêts. Le ministère de l'Intérieur également n'était pas prêt pour organiser des élections législatives immédiatement après une présidentielle très compliquée, hein, où il y a eu 2 tours. Ça coûte cher d'organiser une élection. Vous imaginez, l'État a dépensé 120 millions pour Ndella Diouf, pour des affiches de Ndella. Hein, et les bulletins de vote, c'est de l'argent. 120 millions multipliés par 24, c'est beaucoup de milliards. Et ça, qui a gagné cet argent? Mais ce sont les imprimeries, certains ont même gagné 4 candidats, 9 candidats. Hein? Donc, il y a tellement de choses inadmissibles qui existent autour de l'organisation des élections. Et donc, ça mérite de prendre le temps d'organiser correctement pendant qu'on parle de la tutoie de la décentralisation. Franchement, tous les Sénégalais ne savent même pas de quoi ça parle. Donc, on doit prendre le temps d'expliquer au peuple comment, qu'est-ce que ça veut dire la tutoie de la décentralisation, quelles sont les conséquences, comment préparer les listes, où il y aura également la parité. Donc, il doit prendre le temps. Il a déjà pris la décision de décaler. L'idée, c'était d'organiser des élections en 2015. Prendre le temps. J'ai suivi vos émissions, j'ai discuté avec beaucoup d'hommes politiques qui ont sur la même longueur d'onde que moi, qu'il faut reporter correctement l'élection législative. Et moi, je suis... Les élections locales. Je suis allée encore beaucoup plus loin en parlant de dissolution, même d'Assemblée nationale, pour pouvoir coupler les élections législatives anticipées aux locales reportées. Et ça va faire une économie et ça va mieux préparer les différents partis politiques et les coalitions à préparer leurs listes, à identifier les personnes leaders pour aller en compétition. Vous êtes pour le référendum concernant le mandat présidentiel et non pour la voie, disons, parlementaire. Par voie parlementaire, bon, donc il y a 2 possibilités. Soit c'est par voie parlementaire, certains disent que c'est pratiquement illégal, ou bien l'unique voie républicaine, c'est la par voie référendaire. Donc il faudrait qu'on organise un référendum, oui ou non, pour un mandat de 5 ans ou 7 ans. Ça, c'est au peuple d'en décider. Ce n'est pas au président Macky Sall de dire, écoute, le mandat sera 5 ans ou pas. Par contre, il peut dire, je vais démissionner 5 ans après. Au bout des 5 ans. Voilà, ça, il peut le dire. Et on organise une présidentielle anticipée. Ça sera, quand le président dit, je vais faire 5 ans, il dit qu'il organise une présidentielle anticipée. C'est ça la signification. Et là, c'est une conséquence extrêmement... C'est une conséquence. Ça fait du président de l'Assemblée nationale le futur président de la République en cas de démission. Puisque il y a Cicelo qui dit qu'ils vont bloquer carrément. Si jamais ils veulent utiliser la voie parlementaire, que la loi ne passera pas, qu'on ne va pas réduire le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Hein? Donc ça va beaucoup chauffer. Donc si l'Assemblée nationale décide de ne pas réduire et que le président décide de réduire, ça veut dire qu'il démissionne, automatiquement il va perdre son poste et il sera remplacé par le président de l'Assemblée nationale, responsabiliser les femmes dans ses bourses familiales et dans autre chose. C'est une très 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 bonne chose, puisque les femmes, en réalité, c'est elles qui gèrent les foyers.
Il y a aussi la couverture maladie universelle qui prend en charge les enfants, les femmes aussi, hein, donc peut-être plus tard. C'est important parce que c'est des maillons souvent très faibles de la société. Que pensez-vous de cette initiative? Non, moi, je pense qu'on est en 2000, on est 2014, hein, donc on est en 2013. On va en 2014 puisqu'on est au mois de décembre. En étant médecin, il ne faudrait pas qu'on trompe les Sénégalais. On est là actuellement, aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital Aristide de Dantec, si vous n'avez pas de l'argent, on va pas vous soigner. On parle beaucoup de couverture médicale universelle. Mais vous n'y croyez pas? Écoute, c'est une chose qu'on peut bien faire, qu'on peut bien réussir. Est-ce que l'État a le budget? Ah, il faudrait que l'État... Est-ce que l'État a les moyens? L'État doit mettre suffisamment d'argent. L'État doit mettre suffisamment d'argent au niveau des structures hospitalières. L'État doit mettre suffisamment d'argent dans le budget du ministère de la Santé pour faire face à cette demande médicale, à cette demande de soins. Les Sénégalais souffrent médicalement. Quand tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Les hôpitaux sont malades quand les hôpitaux ne soignent même pas. Bon, soignent, mais il faut avoir de l'argent pour payer l'ordonnance. Il n'y a pas une santé pour tous. C'est ça qui m'a poussé à faire de la politique. C'est pour changer des décisions, pour prendre les décisions qu'il faut. Donc, la santé pour tous, pour tout le monde. Mais actuellement, en 2013, il faut de l'argent pour se soigner. Combien de Sénégalais sont morts dans la dignité, sont restés chez eux parce qu'ils n'avaient même pas le transport pour aller à l'hôpital? Quand vous appelez le 18 ne va pas transporter le malade. Eux, ils transportent seulement les blessés de circulation ou bien les morts. Hein? Il y a tellement de choses à régler. Ndala Major Diouf, la LCS vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre émission Derrière le miroir qui a permis aux Sénégalais aujourd'hui de découvrir une nouvelle facette de Ndala Major qui est une femme de développement. Chers téléspectateurs, à vous également, merci d'avoir suivi ce numéro de Derrière le miroir. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Mais en attendant, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos réactions à l'adresse mail et Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez également votre chaîne de télévision, la LCS, la chaîne sénégalaise, la chaîne Passionnément, la télé Passionnément, la chaîne la plus proche des Sénégalais. À bientôt.